Cette fois-ci, il n'y a pas de dégâts. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Psytrag. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Free Fire. Aujourd'hui, les amis, je vais vous lancer un défi. Toi, derrière ton écran, ou bien même toi qui fais des vidéos sur Free Fire, ou bien même toi qui fais des lives sur Free Fire, ou bien même toi qui fais rien du tout, mais qui joue à Free Fire, tu vas pouvoir me défier. Mais j'explique les conditions juste après. Tout d'abord, les amis, avant que la vidéo commence, surtout, n'oubliez pas votre meilleur pouce bleu. Votre petit abonnement avec la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos sur Free Fire. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le résultat du défi qui va arriver, ok? Et bien sûr, comme toujours, on n'oublie pas la galerie de chez Huawei qui sponsorise cette chaîne avec les 30% de cashback qui sont effectués sur tout, j'ai bien dit tout, vos achats Free Fire. Donc n'hésitez pas à aller péter le chouard Casa des Papels avec la galerie, ça vous coûtera moins cher. Et donc là j'ai sorti le petit skin Casa del Papel avec les petites chaussons du singe. Et ouais, franchement vraiment très mignonne. On dirait un peu Perona, mais un tout petit peu hein. Donc les amis, aujourd'hui je vais vous défier, toi qui fais des vidéos, toi qui fais des lives, ou bien même toi qui fais pas de vidéos ni de live mais qui joue à Free Fire, tu vas pouvoir participer à ce défi. Et le gagnant remportera la maudite somme de 520 diamants. C'est pas dégueulasse, 520 diamants. Et ça, c'est merci qui? Eh merci, Huawei. Parce que c'est grâce à Huawei que ce défi peut exister. Donc les amis, je vais expliquer les conditions plus sérieusement. Alors, comment ça va se passer? Vous allez partir en mode entraînement. Et pas un autre mode, entraînement. Que le mode entraînement. Une fois que t'es dans le mode entraînement, tu lances ton chrono. Donc t'essaies de te démerder pour avoir un chrono, que ce soit à côté de toi ou autre. Une fois que t'as lancé le chronomètre, tu n'hésites pas à faire un maximum de kills et tu dois faire la maudite somme de 20 kills en un minimum de temps. C'est très simple, tu lances dans le mode d'entraînement, tu fais 20 kills, tu fais stop et tu regardes le temps que tu as fait. Il n'y a pas d'armes en particulier, vous prenez les armes que vous voulez, si vous voulez y aller au katana, vous y allez au katana, si vous voulez y aller au desert de gueule, vous y allez au desert de gueule, si vous voulez y aller à la WAP, vous y allez à la WAP, si vous voulez y aller à la Thompson, vous y allez à la Thompson. Il n'y a pas de conditions en particulier à respecter, mis à part les 20 kills et mis à part le chrono. Ok? Donc toi qui fais des vidéos, n'hésite pas à mettre ton cut en entier, ne cherche pas à faire un montage. Laisse-moi un truc pur si tu balances sur YouTube et c'est moi qui ferai un petit montage lors de la prochaine vidéo. Et toi qui fais un live, n'hésite pas à me le dire. Et une fois que tu as fait un score plutôt raisonnable, ou tu penses un bon score, n'hésite pas à me le dire sur Discord, à me dire voilà, sur mon live d'hier à peu près une heure et quelques, j'ai fait une game, j'ai fait à peu près tel temps, n'hésite pas à chronométrer. Et moi du coup, à la suite de cela, je vais chronométrer comme j'aurais chronométré ma game. Et puis, on verra qui a le meilleur score. Les résultats seront donnés à partir du 3 octobre. Alors peut-être juste avant ou peut-être après le 3 octobre, les résultats arriveront en vidéo avec une compilation si certains participent. Et si vous êtes beaucoup à participer, eh ben peut-être qu'on fera une vidéo classique, quoi. Non, tout le monde peut participer et je vous invite à participer. Et j'ai oublié. Si tu fais ce défi, mon pote, en vidéo ou bien en live, n'hésite pas à mettre le hashtag. J'ai bien dit le hashtag. Je bats Psytrag. Oui, parce que je sais que tu vas me battre. Je sais que, voilà, je suis légèrement plus, voire même beaucoup plus faible que vous en général. Je sais que tu vas me battre, donc n'hésite pas à mettre le hashtag. Je bats Psytrag. Donc, les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai un timer juste ici. Donc, je peux le démarrer et je peux l'arrêter. Comme ça, c'est en one shot. Et comme ça, vous pourrez pas dire que j'ai fait des cuts. Non, parce que je vois les petits vicieux dire ouais, c'est pas payé, t'as fait un cut. Donc, voilà, c'est brut, c'est nerf, c'est classe, c'est précis. Et Rouya, on va aller en game. C'est parti, let's go. Ok, donc les amis, on part directement en mode entraînement. Alors, je rappelle vite fait les règles hein. C'est 20 kills en un minimum de temps. Vous prenez les armes que vous voulez. Et après, c'est à vous de jouer. Et le chronomètre, il faudra le lancer au moment que vous y arrivez. Là où ça commence à faire des ratatatatata. C'est là que le timer commence. Ok, on va commencer par le soin. Allez, des inhumateurs, on va en prendre plein. C'est vrai que les inhumateurs, je vous cache pas que c'est pratique. Parce que quand vous mourrez, vous perdez beaucoup de temps. Tiens, je vais prendre du bandage aussi, on sait jamais. Tant qu'à faire, hein, on sait jamais. Tac, tac, tac. Je vais prendre le pompe à deux balles. Je vais me prendre la Thompson, du classique. Et je vais me prendre également le katana. Non, la poêle. Prendre la poêle, voilà, parfait. Allez, let's go. Le Steph, il est prêt. Le singe, il est prêt. Il n'y a plus de pingouins. Écoutez, on rentre dans l'auréole. Let's go. Do this. Allez, c'est parti, les amis. We'll be right back.
Ah, c'était sûr. C'était sûr, j'avais plus beaucoup de vie, donc... Non mais aussi. Non mais aussi, là. Si je fais un kill... Oh. Merci pour le free kill. Ça fait toujours plaisir. Ah ouais, ils étaient deux. Ah là 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 là, allez. Ok, 10 kills. 1 minute. J'allais dire 1 minute 40, c'est bien, mais en fait, si je meurs, non, c'est pas bien. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Quoi ? Quoi ? Non, 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 là, faut pas abuser, là. Allez, allez, allez. Je suis à 2 minutes. J'ai 14 kills. Je suis à 13 kills. Allez. Oula, oula, oula. Ah là là, 17 kills, 4 minutes. Allez, 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 allez. Allez, allez. Bon, bon, bon. Let's go. Arrêtez. Oui. 4 minutes 45, les potes. Wouh. C'est bon, tu peux me tuer. Vas-y, tue-moi, vas-y. 4 minutes 45, les potos. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux du 4 minutes 45. Non, je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais je pense qu'à force de faire, il y a moyen que je m'améliore. Parce que je vous cache pas qu'avant de faire cette vidéo, je me suis entraîné hier. J'ai fait 2-3 games. Je me suis dit que c'était faisable. Je faisais du 5 minutes. Très clairement, je faisais du 5 minutes, 6 minutes. Et là, 4 minutes 45, c'est vraiment mon meilleur score. Et là, en one shot, je suis vachement content de le faire. Je vous cache pas que je suis vachement content. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ceux qui font des vidéos ou des lives vont participer à ce défi. Je compte sur toi, jeune youtubeur, jeune talent de Free Fire. N'hésite pas à participer avec le hashtag JeBapsy, parce que si j'en suis sûr, tout le monde fera moins de 4,45. Ça, c'est sûr, clair, net et précis. Mais voilà. Enfin voilà les amis, si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre abonnement si vous voulez pas louper les prochaines vidéos sur Free Fire. Et à me dire dans les commentaires le temps que vous avez fait, parce que tout le monde ne peut pas faire de vidéos, tout le monde ne peut pas balancer des vidéos, ou tout le monde ne veut pas balancer des vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre meilleur temps pour faire 20 kills dans le mode d'entraînement. Bien sûr, ça sera pas comptabilisé pour ce défi, mais c'est toujours bon de savoir ce que vous avez fait. Je compte sur vous, on se donne rendez-vous très 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 rapidement pour de nouvelles vidéos sur Free Fire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une très bonne fin de soirée. C'était Psytrag, bye bye.